Le groupe Renault travaille depuis longtemps dans le digital. Maintenant, il y a une nouvelle ère du designer qui s'ouvre. Grâce au 3D sketching, on peut avoir la sensation d'être ensemble et pourtant, on est vraiment à des milliers de kilomètres à distance. Je m'appelle Udo, j'ai 57 ans et je suis designer. Le 3D sketching, c'est un logiciel qui permet de travailler dans un univers virtuel et de créer des contenus 3D en dessinant des traits comme un designer aujourd'hui. On est immergé dans un espace et il n'y a aucune contrainte ni limite. Il est tellement immersif et tellement réaliste, on peut se priver de faire des maquettages qui sont très coûteux et ça permet d'économiser le temps parce qu'une NUM ou une data envoyée à une machine mettre au moins 4 semaines et ici on est en temps réel, ce qui est un énorme avantage. Les designers avec ce support-là, ils peuvent créer davantage et expérimenter. Dès qu'on a une connexion Internet, il n'y a plus de limites géographiques, ce qui peut permettre de joindre de n'importe quel endroit, de n'importe quel métier, dans une même scène. On parle des designers augmentés car il a plus de facilité d'aborder le 3D. Donc il peut arriver à une immersion et une maîtrise plus forte. C'est un outil de plus. Les méthodes traditionnelles restent toujours autant valables, sachant que le physique et le digital, on appelle ça du figital, c'est deux mondes qui font beaucoup de sens. Ça me montre ce que peut être le futur plus près, plus proche d'aujourd'hui. Le 3D sketching restera toujours un outil. La différence, c'est fait par le designer avec sa créativité et sa compétence et ses qualités.